Alors que le tribunal de grande instance de Nanterre a confirmé mardi 28 mai la compétence de la justice française pour statuer sur la gestion de l'héritage de Johnny Hallyday, Closer révélait que Laetitia Hallyday avait déposé une demande pour obtenir la nationalité américaine. Une demande qui concerne également ses filles Jade et Joy et qui est en passe d'être validée. Pour finaliser cette demande, la veuve de Johnny Hallyday devra toutefois se soumettre à quelques tests permettant à l'administration américaine de s'assurer de ses capacités d'intégration. Laetitia Hallyday devra en effet passer un examen d'anglais, à l'écrit et à l'oral, rappelle BFM TV. Elle sera également jugée sur sa connaissance de la culture américaine à travers une série de questions portant sur la citoyenneté, la politique ou encore l'histoire des États-Unis, précise la chaîne. En fonction des résultats qu'elle obtiendra et si l'administration confirme qu'elle possède un casier judiciaire vierge aux États-Unis, Laetitia Hallyday devrait se voir accorder sans difficulté la nationalité américaine. Pour rappel, la loi américaine permet de demander la nationalité après 5 ans de carte verte, indique BFM TV qui souligne que Laetitia et Johnny Hallyday avaient décroché un droit de séjour permanent en 2014.